simplement votre analyse de ce point du match nul. Thierry Loret a dit que c'était un bon point après. Vous avez bien réagi après avoir été mené sur ça. Ouais, c'est un bon point. Évidemment, parce qu'on a joué contre une très bonne équipe, qui n'est pas pour rien en deuxième. Voilà, c'est une bonne équipe, collectivement ils sont forts, et individuellement aussi ils sont capables de faire la différence. Donc, étant mené 1-0, je pense qu'on les avait quand même bien contenus, sur toute la première mi-temps. Après, voilà, c'est vrai que ce but juste avant la mi-temps nous a fait un peu mal, mais la mi-temps nous a fait du bien, et on est revenu avec de très bonnes intentions, on a joué vers l'avant. Le public nous a aidé aussi énormément parce que voilà, on en a eu besoin, et sur toute la deuxième mi-temps, je pense qu'on l'a maîtrisé, on a réussi à égaliser, et je pense que c'est mérité. Le rythme des points a ralenti pour Strasbourg sur ces 4 dernières rencontres. Est-ce que c'est un point qui vous rassure dans le contenu face au deuxième du championnat? Non, la performance nous rassure évidemment. Après, il ne faut pas se focaliser sur une victoire ou non. Voilà. Il y a eu beaucoup de réussites sur le mois dernier, donc c'est comme ça dans le football. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Ça, c'est une chose, mais les victoires vont revenir parce que les performances sont quand même de qualité. Et voilà, tous les joueurs qui rentrent dans ce groupe font le nécessaire pour emmener le groupe vers l'avant. Donc ça va revenir, l'efficacité va tourner parce qu'on travaille bien.